Yeah, we can start. Okay. Thank you. Bonjour, honorable juge. Bonjour, monsieur le greffier, les membres du greffe. Bonjour également aux interprètes. Et enfin, bonjour au public qui nous suit sur cette plateforme vidéo. La séance de ce jour sera donc consacrée à la lecture de certaines décisions que la Cour avait reportées au cours de sa séance précédente. Les décisions qui seront lues sont au nombre de trois, notamment deux décisions, deux arrêts et un avis consultatif. Je vais donc à présent passer la parole au greffier pour nous indiquer ses affaires. Docteur Renaud. Thank you, Honorable President. Honorable President, this is the sitting of the court for the delivery of two judgments and rendering one advisory opinion. This will be with respect to application 062 of 2019, Sébastien Germain Marie Ekwe Ajavon against Republic of Benin, application 003 of 2020, Ongwe Eric against the Republic of Benin, and request for advisory opinion 001 of 2018, Pan-African Lawyers Union. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Greffier. L'affaire numéro 062-2019, Sébastien Germain Marie Aikwe Ajavon contre République du Bénin. L'arrêt sera donc lu par le juge doyen, l'honorable juge Rafa Benachou. Merci, Monsieur le Président. Affaire Sébastien Germain Marie Aikwe Ajavon contre République du Bénin, requête numéro 62-2019. La Cour, composée de Sylvain Auré, président, Ben Kioko, vice-président, Rafa Ben Achour, Angelo Matoussé, Suzanne Mengue, Marie-Thérèse Mukamuriza, Tujilan Tizumila, Shafiqa Bensaoula, Blaise Chikaya, Stella Anoukam, Mani Abou Juge,
et Robert Hénaud, greffier. Objet de la requête, fait de la cause. Le requérant fait valoir les élections législatives béninoises du 28 avril 2019 étaient irrégulières et que l'Assemblée nationale qui en est issue a été mise en place suite à une série de lois relatives aux élections qui ne sont pas conformes aux conventions internationales. Le requérant ajoute que le Parlement a adopté à l'unanimité, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019, une loi portant révision de la Constitution qui, après contrôle de conformité à la dite de Constitution par la Cour constitutionnelle, a été promulguée par le président de la République et publiée au Journal officiel. Le requérant précise que cette loi et celles qui lui sont subséquentes sont à l'origine de plusieurs violations des droits de l'homme. Mesure demandée par les parties, le requérant demande à la Cour constater la non-conventionnalité des lois qui ont favorisé l'installation de l'Assemblée nationale lors des élections législatives du 28 avril 2019. Constater l'absence d'indépendance et d'impartialité de la Cour constitutionnelle. Constater la violation par la République du Bénin du préambule des articles 2, paragraphe 2, 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 1er, 10, paragraphe 2, 17, paragraphe 1er, 23, paragraphe 5, 32, paragraphe 8, de la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, et le paragraphe 1, alinéa 2, du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO. Condamner l'État du Bénin aux dépens de la cause. Pour sa part, l'État défendeur demande à la Cour de constater que la requête est incompatible avec l'acte constitutif de l'Union africaine et la Charte. Constater l'absurdité des demandes tendant à l'annulation de la loi fondamentale béninoise. Constater que la Cour n'est pas juge d'appel des décisions des juridictions internes. Constater que le demandeur sollicite un contrôle de conventionnalité abstrait des lois internes du Bénin. Dire que la Cour est incompétente, constater que le plaignant multiplie les procédures en guise de propagande politique, dire que la requête est irrecevable pour abus de droit, constater que la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'une demande est abusive lorsqu'un requérant multiplie les requêtes sans intérêt, constater que suivant les enseignements de la Cour européenne des droits de l'homme, est abusif tout comportement d'un requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours établi par la Convention, ici la Charte. Constater que la Cour européenne des droits de l'homme a dit que la Cour peut également déclarer abusive une requête qui est manifestement dépourvue de tout enjeu réel et ou de manière générale et sans rapport avec les intérêts légitimes objectifs du requérant. Constater que le requérant n'est pas victime au sens de la Charte, dire que la requête est abusive et chicanière, en conséquence déclarer la requête irrecevable. Constater qu'une demande en justice doit être portée par un intérêt personnel,
constater que le juge Ouguerkouz, vice-président de la Cour, a souligné dans une opinion que l'auteur de la requête doit démontrer en quoi il est victime de ce qu'il impute à l'État comme fait illicite au regard de la charte, constater que le demandeur ne justifie pas de l'intérêt à agir, constater que le demandeur n'a pas qualité de victime au sens du règlement de la Cour et de la charte, constater le non-épuisement des recours internes, constater que la requête n'est pas introduite dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes, constater l'intention chicanière et l'abus de droit, constater que le demandeur exerce un recours en manquement, constater que le demandeur n'a pas intérêt à agir, dire que la demande est irrecevable. À titre subsidiaire, l'État défendeur demande à la Cour de constater que le demandeur n'élève aucune constatation relative à un cas de violation, constater que la loi portant charte des partis politiques ne fait aucune entrave aux droits de l'homme du requérant, constater que la loi portant code électoral en République du Bénin ne porte pas entrave aux droits de l'homme du requérant, constater que la loi ne portera au droit du requérant. Constater que la loi portant code pénal en République du Bénin conforme aux engagements internationaux de l'État béninois, constater que l'État n'a pas contrevenu à ses obligations internationales en vertu des instruments communautaires de la CEDEAO, constater que la loi fondamentale est légale et constitutionnelle, en conséquence, dire que la requête est mal fondée. Au titre des réparations, le requérant sollicite les mesures suivantes. Ordonner l'invalidation de la 8e législature issue des élections du 28 novembre 2019. Ordonner l'invalidation de la Cour constitutionnelle pour défaut d'impartialité et d'indépendance de son président. Ordonner l'annulation pure et simple de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution de la République du Bénin et de toutes les lois qui en sont issues, charte des partis politiques, code électoral, statut de l'opposition, financement des partis politiques. Mettre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine aux trousses des auteurs et complices, et ce, pour changement anticonstitutionnel de gouvernement. Quant à l'État défendeur, il conclut au débuté du requérant de ces demandes. Dispositif, l'unanimité. Sur la compétence, la Cour rejette les exceptions d'incompétence. 2. Se déclare compétente. Sur les exceptions préliminaires de recevabilité, rejette les exceptions préliminaires, donc déclare la requête recevable. Au fond, dire que l'État défendeur n'a pas violé le droit à la liberté d'opinion et d'expression protégée par les articles 9, paragraphe 2 de la Charte, 19, paragraphe 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit de la liberté de réunion protégé par l'article 11 de la Charte, dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit à la liberté et à la sécurité protégé par l'article 6 de la Charte, dit que l'État défendeur n'a pas violé l'obligation de ne pas modifier la loi électorale dans les 6 mois précédant les élections législatives du 28 avril 2018 prévues par l'article 2 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie, dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit à la non-discrimination, le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays du fait des conditions d'éligibilité relativement au cautionnement, quitus fiscal, à l'âge. Dire que l'État défendeur n'a pas violé l'obligation de garantir l'impartialité de la Cour constitutionnelle
dit que l'État défendeur a violé le droit de grève protégé par l'article 8, paragraphe 1, petit d et paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dit que l'État a violé le droit à la vie, à l'intégrité physique et morale, ainsi que le droit de ne pas être soumis à la torture, protégé respectivement par les articles 4 et 5 de la Charte, dit que l'État défendeur a violé le droit des victimes des violences post-électorales à ce que leur cause soit entendue, protégée par l'article 7 de la Charte, dit que l'État défendeur a violé le droit à la liberté d'association du fait de la dissolution d'un parti politique qui n'a pas participé aux législatives successives et du fait de l'interdiction des alliances électorales et les candidatures indépendantes, dit que l'État défendeur a violé le droit à l'élection des affaires publiques, des candidatures indépendantes et de l'obligation de résidence imposée à tout candidat protégé respectivement par les articles 2, 13, paragraphe 1 de la Charte, dit que l'État défendeur a violé l'obligation de créer des organes électoraux indépendants et impartiaux prévus par l'article 17, paragraphe 1 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que par l'article 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, dit que l'État défendeur a violé l'obligation de garantir l'indépendance de sa Cour constitutionnelle et du pouvoir judiciaire prévu par l'article 26 de la Charte, dit que l'État défendeur a violé l'obligation de procéder à une révision constitutionnelle fondée sur le consensus national protégé par l'article 10, paragraphe 2 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Sur les réparations pécuniaires, donne acte au requérant de ce qu'il renonce à sa demande de réparation pécuniaire. Sur les réparations non pécuniaires, rejette la demande de saisine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Rejette la demande de dissolution de la Cour constitutionnelle, rejette la demande d'invalidation des élections législatives du 28 avril 2019. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, en tout cas avant toute élection pour abroger. Premièrement, l'article 27 alinéa 2 de la loi numéro 2018-23 du 18 septembre 2018 portant charte des partis politiques. Les articles 2 et 3, 1er et 2 de la loi organique numéro 2018-2 du 4 janvier 2018 modifiant et complétant la loi organique numéro 94-27 du 18 mars 1999 relative au Conseil supérieur de la magistrature. La loi numéro 2019-39 du 31 juillet 2019, portant amnistie des faits criminels, délictueux et contraventionnels commis lors des élections législatives du 28 avril 2019, de diligenter toutes les enquêtes nécessaires vont permettre aux victimes d'obtenir la reconnaissance de leurs droits et réparations. La loi constitutionnelle numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution de la République du Bénin et toutes les lois subséquentes, notamment la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral et de se conformer au principe du consensus national édicté par l'article 10, paragraphe 2 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance pour toute autre révision constitutionnelle. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger dans un délai de 6 mois, à compter de la notification du présent arrêt, toutes les dispositions interdisant le droit de grève, notamment l'article 50, alinéa 5
de la loi numéro 2017-43 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2015-18 du 13 juillet 2017, portant statut général de la fonction publique. L'article 2 de la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-9 du 21 juin 2001, portant exercice du droit de grève, de l'article 71 de la loi numéro 2017-42 du 28 décembre 2017, portant statut des personnels de la police républicaine dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter son obligation de garantir l'indépendance de la Cour constitutionnelle et du pouvoir judiciaire. Ordonne à l'État défendeur de publier le dispositif du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification sur les sites Internet du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice et de la Cour constitutionnelle pendant 6 mois. Sur la mise en œuvre et le rapport, ordonne à l'État défendeur de soumettre à la Cour dans un délai de 3 mois pour les points. Je crois que nous avons un problème de connexion. Yeah, perhaps, Mr. President, you can read the operative part. Yes, yes. Of the judgment. So I think Judge Benashu is disconnected. Yes, yes, okay. Okay. Désolé, il y a eu une coupure d'Internet. Oui, oui. Vous êtes en ligne? Oui, oui, je suis en ligne. Donc, j'ai terminé la lecture, Monsieur le Président. Je vous remercie. Ainsi, donc, vous venez donc d'entendre l'arrêt de la Cour africaine concernant l'affaire Sébastien Germain-Marie Aïkoua Javon contre République du Bénin dans la requête numéro 062/2019. Là, on vient de m'apprendre qu'il y avait des problèmes de connexion, donc le public n'a pas pu entendre le dispositif. Nous allons à présent donc lire la décision 003/2020. Contre République du Bénin. C'est le juge Chikaya qui va donc procéder à la lecture de cette décision. Affaire Ungé Eric Nudeunu contre République du Bénin. La Cour composé des juges, comme précédemment annoncé dans l'affaire précédente. L'objet de la requête. Dans la requête introductive d'instance du 15 janvier 2020, le requérant expose que du fait de la loi numéro 2018-31 du 3
2018 portant code électoral, déclaré conforme à la Constitution par la décision de la Cour constitutionnelle, DCC 18-199 du 2 octobre 2018, seuls les candidats des deux partis politiques proches du gouvernement ont pu se présenter et être élus lors des élections législatives du 28 avril 2019. Il ajoute que l'Assemblée nationale, issue de ces élections, a adopté en secret, sans aucun consensus national, la Constitution révisée et le Code électoral. Le requérant affirme que ces lois ont été déclarées conformes à la Constitution, respectivement par les décisions DCC 19-504 du 6 novembre 2019 et DCC 525 du 14 novembre 2019 de la Cour constitutionnelle, alors qu'elle porte atteinte à des droits fondamentaux protégés par les instruments internationaux de protection des droits de l'homme et ratifiés par l'État défendeur. Sur les demandes des partis, le requérant sollicite les mesures suivantes. Une déclaration que la Cour est compétente et la requête recevable. Une décision affirmant que sont établies les violations de ses droits humains et dire que l'État défendeur a violé les dits droits. Une décision ordonnant que l'État défendeur prenne toutes les mesures constitutionnelles, législatives et autres dispositifs utiles dans un délai d'un mois et avant les prochaines élections afin de mettre fin aux violations contestées et informer la Cour des mesures prises à cet égard. Une décision ordonnant particulièrement à l'État défendeur de prendre toutes les mesures afin de garantir le droit de participer librement et directement, sans aucun handicap politique, administratif ou judiciaire, aux prochaines élections présidentielles, locales, législatives, sans la reprise des violations contestées, constatées par la Cour et dans les conditions respectant le principe de la présomption d'innocence ainsi que le droit de fuir la persécution. Une décision ordonnant à l'État défendeur de prendre toutes les dispositions afin de faire cesser tous les effets des violations dont il a été reconnu coupable, conformément au chapitre 9, réparation des préjudices subis, de la résolution 60-147 des Nations Unies du 16 décembre 2005. Une décision lui permettant, eu égard à l'urgence des questions de fond, de compléter ultérieurement l'analyse juridique sur les réparations des préjudices pécuniaires et moraux dans un délai que la Cour fixera. Enfin, un ordre de l'État défendeur paie le coût de cette action. De son côté, l'État défendeur demande de constater que le Bénin est un État souverain qui peut décider librement du contenu de ses lois conformément à sa Constitution. Constater que la Cour n'est pas juge de conventionnalité des lois nationales. Déclarer la Cour incompétente pour apprécier ou annuler la Constitution béninoise et le Code électoral du Bénin. Constater que le requérant n'a pas qualité pour initier ou solliciter des modifications des lois béninoises. Constater que le requérant ne justifie pas de pouvoir pour de représentation ou pour agir au nom de tous les citoyens béninois. En conséquence, déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité. Constater qu'aucune des violations des droits allégués par le requérant
n'est fondée. Dire et juger que l'État béninois n'a violé aucun droit humain du requérant. Condamner le requérant aux frais. Dans son dispositif, par ses motifs, la Cour est à l'unanimité sur la compétence. Premièrement, rejette les exceptions d'incompétence, se déclare compétente. Sur les exceptions préliminaires d'irrecevabilité, la Cour rejette les exceptions préliminaires. Sur la recevabilité, rejette les exceptions d'irrecevabilité et déclare la requête recevable. Sur le fond, la Cour dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit à un recours effectif pour la protection des droits humains protégés par les articles 7.1 de la Charte et 2.3 de la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance. Elle dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit et la sécurité protégés par l'article 23.1 de la Charte. Dit que l'État défendeur a violé l'obligation de s'assurer que le processus d'amendement ou de révision de la Constitution repose sur un consensus national consacré par l'article 10.2 de la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance. Dit que, dès lors, la révision constitutionnelle a violé l'article 10 de la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance. Les demandes du requérant pour établir que la révision a violé les articles 13.1, 2, 3, 8 de la Charte, 19.2 du pacte de la Charte africaine pour la démocratie et 18 du pacte par la loi portant révision constitutionnelle sont sans objet. Dit que l'État défendeur a violé le droit à la présomption d'innocence prévue à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et celui du droit d'user des services et biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi protégée par l'article 13.3 de la Charte. Sur les réparations pécuniaires, dit qu'en l'absence de demande du requérant sur les réparations pécuniaires, il n'y a pas lieu de se prononcer. Sur les réparations non pécuniaires, ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures afin d'abroger la loi numéro 2019-40 du 1er novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin et toutes les lois subséquentes afin de garantir que ses citoyens participent librement et directement sans aucun obstacle politique, administratif ou judiciaire avant toute élection sans répétition des violations constatées par la Cour et dans des conditions respectant le principe de la présomption d'innocence. Ordonne à l'État défendeur de se conformer au principe du consensus national édicté par l'article 10.2 de la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance pour toute révision constitutionnelle. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures afin d'abroger l'arrêté interministériel numéro 23 MJL DC SGM DACPG SA 23 SGGG 19 en date du 22 juillet 2019. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les dispositions avant de faire cesser et faire disparaître tous les effets
de la révision constitutionnelle et des violations dont il est reconnu coupable par la Cour. Sur la mise en œuvre de ces rapports et les rapports, ordonne à l'État défendeur de soumettre à la Cour, dans un délai de 3 mois, à compter de la date de notification du présent arrêt, un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre des paragraphes 11 et 15 du présent dispositif. Sur les frais de procédure, décide que chaque partie supporte ses frais de procédure. Ont signé les juges dans la formation précédente, ainsi la Cour en a décidé. Merci, Président. Merci, juge Chikaya. Je viens d'entre vous lire. Oui, oui, monsieur le vice-président. Mr. President, I was going to propose that the operative part of 062 be read again, because I think we are getting feedback that it was not clear to members of the public. Yes. So, because the judge was reading, Judge Dean was disconnected. So, okay. Would the operative part be only the operative part? Okay. Perhaps we will finish yes. The advisory opinion, and we'll come back to read again the operative part, or should we read it now? Okay. On s'excuse donc auprès du public qui n'a pas pu entendre le dispositif complet dans l'affaire Sébastien Germain Marie Aïkoué Javon contre Bénin. Le dispositif sera donc relu. Vous comprenez, hein, c'est le problème souvent de technique, les problèmes techniques de connexion et tout ça. Donc, le dispositif sera relu donc après l'avis consultatif. Avis consultatif numéro 001-2018, Pan-African Lawyers Union, sera lu donc par le vice-président. Vice-président, votre opinion. Thank you. Yeah, thank you, Mr. President, honorable colleagues, members of the public. This is the request for advisory opinion by the Pan-African Lawyers Union on the compatibility of vagrancy laws with the African Charter on Human and People's Rights and other human rights instruments applicable in Africa, number 001 for 2018, advisory opinion. The court composed of Sylvie Ore, President, Ben Kioko, Vice President, Rafa Benashu, Angelo V. Matuse, Susan Menge, M. Teresa Mukamuliza, Tujilane R. Chizumila, Shafika Ben Saula, Blaise Chikaya, Stella I. Anukam, Imani D. Abud, judges, and Robert Eno, registrar. In the request for advisory opinion by the Pan-African Lawyers Union, represented by Mr. Donald Ndeya, Pan-African Lawyers Union, after deliberation, renders the following advisory opinion. The author. This request for advisory opinion, hereinafter referred to as the request, was filed by the Pan-African Lawyers Union, hereinafter referred to as PALU. PALU states that it's an African organization based in Arusha, United Republic of Tanzania, and that is recognized by the African Union, hereinafter referred to as the AU. In support of this assertion, PALU has provided the court with a copy of the Memorandum of Understanding, hereinafter referred to as MOU, signed between itself and the AU, dated 8 May 2006. Subject of the request. PALU submits that a number of AU member states retain laws which criminalize the status of individuals as being poor, homeless, or unemployed,
as opposed to specific reprehensible acts. Palu has generally termed these laws as vagrancy laws. According to Palu, many countries abuse vagrancy laws to arrest and detain persons where there has been no proof of a criminal act. Palu submits, therefore, that these laws are overly broad and confer too wide a discretion on law enforcement agencies to decide who to arrest, which impacts disproportionately on vulnerable individuals in society. Palu also submits that arrests for violation of vagrancy laws contribute to congestion in police cells and prison overcrowding. It is Palu's further submission that the manner in which vagrancy offenses are enforced is contrary to the basic principles of criminal law. That is, it undermines the presumption of innocence and thereby threaten the rule of law. Palu therefore requests for an opinion from the court on the following questions. Whether vagrancy laws and bylaws, including but not limited to those that contain offenses which criminalize the status of a person as being without a fixed home, employment, or means of subsistence, as having no fixed abode, no means of subsistence, and trade or profession, as being a suspected person or reputed thief, who has no visible means of subsistence and cannot give a good account of him or herself, and as being idle and who does not have a visible means of subsistence and cannot give a good account of him or herself, violate Articles 2, 3, 5, 6, 7, 12, and 18 of the African Charter on Human and People's Rights. B, whether vagrancy laws and bylaws, including but not limited to those containing offenses, which once a person has been declared a vagrant or a rogue and vagabond, summarily orders such person's deportation to another area, violate Articles 5, 12, 18 of the African Charter on Human and People's Rights, and Articles 2, 4, 1, and 17 of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child. C, whether vagrancy laws and bylaws, including but not limited to those that allow for the arrest of someone without a warrant, simply because the person has no means of subsistence and cannot give a satisfactory account of him or herself, violate Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 of the African Charter on Human and People's Rights, Article 3, 4, 1, 17 of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, and Article 24 of the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa. D, whether state parties to the African Charter on Human and People's Rights have positive obligations to repeal or amend their vagrancy laws and or bylaws to conform with the rights protected by the African Charter on Human and People's Rights, the Charter on the Rights and Welfare of the Child, and the Protocol on the Rights of Women in Africa, and in their affirmative, determine what these obligations are. On 8 November 2018, the registry notified the following entities of the filing of the request: AU member states, the Commission, the AU Commission, the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, the Pan-African Parliament, the Economic, Social, and Cultural Council of the AU, the AU Commission on International Law, the Directorate of Women, Gender Development of the AU, the African Institute of International Law, the Center for Human Rights, University of Pretoria. The court set a 90-day limit for receiving observations on the request. On 18 December 2018, the court received a letter from the Commission in which it advised the court that it had in 2017 adopted principles on decriminalization of petty offenses in Africa, and these principles ably captured its position on the subject matter of the request. On 18 June 2019, the court received a submission from Burkina Faso. On diverse dates, the following entities filed their amicus curiae briefs pursuant to the court's grant of leave: the Network of African National Human Rights Institutions, hereinafter referred to as NANRI, the International Commission of Jurists, Kenya Section, hereinafter referred to as the ICJ Kenya, the Center for Human Rights, University of Pretoria,
and the Dalhousie Mine Institute for Constitutional Law, Governance and Human Rights, University of Western Cape, hereinafter referred to as the CHR and DOI, the Human Rights Clinic, University of Miami, and Lawyers Alert Nigeria, hereinafter referred to as HRC Miami and Lawyers Alert, and finally the Open Society Justice Initiative, hereinafter referred to as the OSJI. On October 2020, PALU and all entities that had filed observations on the request were notified of the close of pleadings. The court recalls that in advisory opinions, given that such requests do not involve contestation of facts between opposing parties, it need not consider its territorial and temporal jurisdiction. For this reason, therefore, the court will only interrogate whether the request satisfies the requirements for personal and material jurisdiction. Personal jurisdiction. To determine whether it has personal jurisdiction, the court must satisfy itself that the request has been filed by one of the entities contemplated under Article 4.1 of the protocol to request for an advisory opinion. Focusing on the entities listed in Article 4.1 of the protocol, the court observes that PALU does not belong to the first three categories mentioned in Article 4.1 of the protocol. That is not a member state of the AU, it is not the AU, and is also not an organ of the AU. In the circumstances, therefore, the question that arises is whether PALU falls under the fourth category, that is whether it's an African organization and also one that is recognized by the AU. As the court has held, an organization may be considered as African if it's registered in an African country and has branches on the sub-regional, regional, or continental levels, and it carries out activities beyond the country where it is registered. In respect of the request, the court notes that PALU is registered in a member state of the AU, to wit the United Republic of Tanzania, and that it has structures at the national and regional levels as an umbrella organization of National and Regional Lawyers Association. The court also notes that PALU undertakes its activities beyond the territory where it is registered. The court recalls that, as confirmed by the AU Commission's Legal Counsel on 8 May 2006, PALU and the AU signed an MOU to cooperate in undertaking activities concerning the rule of law, promoting peace and integration, and protecting human rights across the continent. The signing of an MOU is an accepted way by which the AU recognizes non-governmental organizations. The court finds, therefore, that PALU is an organization recognized by the AU within the meaning of Article 4.1 of the protocol. Given the above, the court concludes that it has personal jurisdiction to deal with the request. On material jurisdiction, in the circumstances, the court holds that it has material jurisdiction in respect of the request. On admissibility, the court observes that Article 4.1 of the protocol, the provisions of which are restated in Rule 82.3 of the rules, provides that it may provide an advisory opinion, provided that the subject matter of the opinion is not related to a matter being examined by the commission. The court recalls that by a letter dated 13 August 2018, it requested the commission to advise on whether the request as filed by PALU was related to any matter pending before it. In its response dated 8 December 2018, the commission informed the court that it in 2017 developed principles on the decriminalization of petty offenses in Africa. According to this commission, the said principles well articulate its position on the subject matter of the request. The commission, however, did not expressly state whether the request related to any matter pending before it, but simply urged the court to consider the principles on the decriminalization of petty offenses in Africa in dealing with the request. Given the commission's response, the court infers, therefore, that no matter related to this request is pending before the commission. The court also confirms that PALU has provided the context within which the request arises, as well as the address of its representatives. The court thus finds that the request is admissible. On the questions presented, in paragraph 5 above, the court reproduced verbatim all the questions on which PALU seeks its opinion. In respect of these questions, the court notes
that PALU essentially questions the compatibility of Bangura's laws with the Charter, the Children's Rights Charter, and the Women's Rights Protocol. Given the preceding, and without in any way undermining the four questions as framed by PALU, the court will sequentially assess Bangura's laws as against the standards in the three aforementioned instruments. Thereafter, it will separately address the fourth question posed by PALU, which seeks the court's opinion on the obligations of state parties under the Charter, the Children's Rights Charter, and the Women's Rights Protocol in respect of the vagrancy laws. I therefore now move to this is a long opinion. It's over 40 pages long, so all of it can't be read. I now move to the operative part. For the above reasons, the court unanimously, on jurisdiction, finds that it has jurisdiction to give the advisory opinion requested. On admissibility, declares that the request for advisory opinion is admissible. On the merits, finds that vagrancy laws, including but not limited to those that contain offenses which criminalize the status of the person as being without a fixed home, employment, or means of subsistence, as having no fixed abode, no means of subsistence, and trade or profession, as being a suspected person or reputed thief who has no visible means of a subsistence and cannot give a good account of him or herself, and as being idle and who does not have visible means of subsistence and cannot give a good account of him or herself, violate, and also those laws that order the forcible removal of any person declared to be a vagrant, and laws that permit the arrest without warrant of a person suspected of being a vagrant, are incompatible with Articles 2, 3, 5, 6, 7, 12, and 18 of the Charter. Paragraph 4 finds that vagrancy laws and bylaws, including but not limited to those containing offenses, which once a child has been declared a vagrant or a rogue and vagabond, summarily orders such child's possible relocation to another area, are incompatible with Article 3, 4, 1, and 17 of the Children's Rights Charter. Paragraph 5 finds that vagrancy laws, including but not limited to those that allow for the arrest of any woman without a warrant, simply because the woman has no means of subsistence and cannot give a satisfactory account of him or herself, are incompatible with Article 4, Article 24 of the Women's Protocol. And 6, declares that state parties to the Charter have a positive obligation to in the earlier repeal or amend their vagrancy laws and related laws to comply with the Charter, the Children's Rights Charter, and the Women's Rights Protocol within a reasonable time, and that these obligations require them to take all necessary measures in the shortest possible time to review all their laws and bylaws, especially those providing for vagrancy-related offenses, to amend and or repeal any such laws and bring them in conformity with the provisions of the Charter, the Children's Rights Charter, and the Women's Rights Protocol. Signed by the judges that whose names I read earlier on, and the registrar, done at Arusha this 4th day of December in the year 2020 in English and French, the English text being authoritative. In accordance with Article 28, Sub-Article 7 of the Protocol and Rule 70 of the Rules, the separate opinion of Justice Blaise Chikaya is appended to this opinion. This is the opinion of the court. Merci, Monsieur le
vice-président. C'était donc l'avis consultatif de la Cour dans l'affaire panafricaine, l'OUS Union, qui vient d'être lu donc par le vice-président. Demande d'avis consultatif numéro 001-2018. Relativement à l'affaire Sébastien Germain et Maria Aikoué à Javon contre Bénin, requête numéro 062-2019. Les sections relatives à la composition de la Cour aux parties en litige, à l'objet de la requête et aux mesures demandées par les parties, ayant été lues par le juge doyen, le juge Benachou, je vais donc me contenter de relire le dispositif parce que je crois qu'à ce moment-là, il y a eu une coupure d'Internet de sorte que le public n'a pas pu bien entendre, bien percevoir les termes du dispositif. Je vais donc me contenter de lire seulement le dispositif. Affaire Sébastien Germain Marie Aikoué Javon contre Bénin, relativement à la requête 062-2019. La décision de la Cour est ainsi qu'il suit. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, sur la compétence, rejette les exceptions d'incompétence, se déclare compétente. Sur les exceptions préliminaires sur la recevabilité, rejette les exceptions préliminaires. Sur la recevabilité, rejette les exceptions d'irrecevabilité, déclare la requête recevable. Au fond, dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit à la liberté d'opinion et d'expression, protégé par les articles 9.2 de la Charte et 19.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit à la liberté de réunion, protégé par l'article 11 de la Charte. Dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit à la liberté et à la sécurité, protégé par l'article 6 de la Charte. Dit que l'État défendeur n'a pas violé l'obligation de ne pas modifier la loi électorale dans les 6 mois précédant les élections législatives du 28 avril 2018, prévues par l'article 2 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie. Dit que l'État défendeur n'a pas violé le droit à la non-discrimination et le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays du fait des conditions d'éligibilité relativement au cautionnement, au quitus fiscal, à l'âge. Dit que l'État défendeur n'a pas violé l'obligation de garantir l'impartialité de la Cour constitutionnelle. Dit que l'État défendeur a violé le droit de grève protégé par l'article 8.1.D.2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dit que l'État a violé le droit à la vie, à l'intégrité physique et morale, ainsi que le droit de ne pas être soumis à la torture, protégé respectivement par les articles 4 et 5 de la Charte. Dit que l'État défendeur a violé le droit des victimes des violences post-électorales à ce que leur cause soit entendue, protégée par l'article 7 de la Charte. Dit que l'État défendeur a violé le droit à la liberté d'association du fait de la dissolution d'un parti politique qui n'a pas participé à 2 élections législatives successives et du fait de l'interdiction des alliances électorales et les candidatures indépendantes. Dit que l'État défendeur a violé le droit à la non-discrimination et le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays du fait de l'interdiction des candidatures indépendantes et de l'obligation de résidence imposée à tout candidat,
protégées respectivement par les articles 2 et 13.1 de la Charte. Dit que l'État défendeur a violé l'obligation de créer des organes électoraux indépendants et impartiaux, prévus par l'article 17.1 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que par l'article 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Dit que l'État défendeur a violé l'obligation de garantir l'indépendance de sa Cour constitutionnelle et du pouvoir judiciaire prévu par l'article 26 de la Charte. Dit que l'État défendeur a violé l'obligation de procéder à une révision constitutionnelle fondée sur le consensus national protégé par l'article 10.2 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Sur les réparations pécuniaires, donne acte au requérant de ce qu'il renonce à sa demande de réparation pécuniaire. Sur les réparations non pécuniaires, rejette la demande de saisine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Rejette la demande de dissolution de la Cour constitutionnelle. Rejette la demande d'invalidation des élections législatives du 28 avril 2019. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, en tout cas avant toute élection, pour abroger 1. L'article 27 alinéa 2 de la loi numéro 2018-23 du 18 septembre 2018 portant charte des partis politiques. 2. Les articles 1-2 de la loi organique numéro 2018-02 du 4 janvier 2018, modifiant et complétant la loi organique numéro 94-027 du 18 mars 1999 relative au Conseil supérieur de la magistrature. 3. La loi numéro 2019-39 du 31 juillet 2019 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives du 28 avril 2019 et de diligenter toutes les enquêtes nécessaires pouvant permettre aux victimes d'obtenir la reconnaissance de leurs droits et réparations. 4. La loi constitutionnelle numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution de la République du Bénin et toutes les lois subséquentes, notamment la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, et de se conformer au principe du consensus national édicté par l'article 10.2 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance pour toute autre révision constitutionnelle. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt, toutes les dispositions interdisant le droit de grève, notamment l'article 50 alinéa 5 de la loi numéro 2017-43 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2015-18 du 13 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique. L'article 2 de la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2001 portant exercice du droit de grève, de l'article 71 de la loi numéro 2017-42 du 28 décembre 2017 portant statut des personnels de la police républicaine dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter son obligation de garantir l'indépendance de la Cour constitutionnelle et du pouvoir judiciaire. Ordonne à l'État défendeur de publier le dispositif du présent arrêt dans un délai de 1 mois à compter de la date de sa notification, sur les sites Internet du gouvernement,
du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice et de la Cour constitutionnelle et pendant 6 mois. Sur la mise en œuvre et le rapport, ordonne à l'État défendeur de soumettre à la Cour dans un délai de 3 mois pour le point 12 et dans un délai de 6 mois pour les points 15, 16 et 17, un rapport sur la mise en œuvre des points du présent dispositif. Ces délais courent à compter de la notification du présent arrêt. Sur la demande de mesures provisoires, dit que la demande de mesures provisoires est sans objet. Sur les frais de procédure, ordonne que chaque partie supporte ses frais de procédure. Ainsi fait, à Arusha, le 4 du mois de décembre 2020. Ainsi donc, se présente la décision de la Cour dans l'affaire Sébastien Ajavon contre Bénin, relativement à la requête 062-2019. Nous en avons donc terminé avec les prononcés des arrêts de la Cour de ce jour. La séance est donc levée. Et je vous remercie tous, honorables juges, mesdames et messieurs du greffe, mesdames et messieurs les interprètes. Merci beaucoup.